Yo Patalo, c'est Tao, et aujourd'hui les gars, on se retrouve une vidéo simplement sur Futonium. Et avec ce BG ici, voilà, on est avec Ironix. Et du coup là les gars, regardez où on est, c'est énorme, mais ce n'est pas fini. C'est tout simplement les gars, le trou pour le village qu'on va faire, parce que oui les gars, on va faire un village de joueurs. J'en avais parlé dans une vidéo, même dans le live, et du coup là, on va commencer, bah, il faut aider aussi à creuser, tu vois. Et une fois qu'on aura creusé un truc très très grand, on pourra faire un village avec des maisons, peut-être un petit peu d'herbe, enfin on verra ce qu'on fera les gars. Mais voilà, et ça risque d'être très très lourd. Voilà, donc pour l'instant dans le projet les gars, il y a moi, Ironix, UK, Magic, One Up, je crois. Et je vais essayer de voir s'il y a moyen que je rajoute peut-être Théo, donc un youtubeur Futonium. Et aussi Snoob, voilà, parce que Snoob c'est quand même, Futonium c'est avant tout Snoob. Et c'est un BG. Vous savez quoi, pour la peine on va faire un petit slash key, voilà. Et on va s'en acheter deux les gars, deux petites key épiques, voilà, ça fait plaisir, c'est moi qui régale. Et on va s'ouvrir deux petites box parce que voilà, je kiffe quand même, j'ai pris goût à cause de clochette. Ok, on s'est fait 40k, ok, bon ça va en partie rentabilisé. Et deuxième, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, ça c'est bon les gars, tout ça de graines de Sphyro, on se met bien avec ça. Bon les gars, aussi je pense que vous pouvez voir que mon stuff a un petit peu changé. Idem pour ce que j'ai dans ma main. Pourquoi? Très simple les gars, parce que je me suis fait drop. Alors j'ai pas pu rec malheureusement parce que c'était le soir et que c'était très tard. En gros, si vous voulez, je suis allé à Reine d'Halloween. Encore là, donc je suis allé ici, donc dans Arène d'Halloween, et je m'étais mis comme ça, sauf que j'étais PE, et avec mes gros doigts, sans faire exprès, et ben je suis sorti, et tu sors très très facilement, donc je suis à peine dépassé, quelqu'un m'a tapé, et ça m'a fait tomber, et en fait j'étais venu pour voir au cas où il y aurait des full fer, tu vois, pour faire des petits kills de full fer pour m'avancer sur mes objectifs, et il y avait toute la tefou, ils étaient 7 sur moi, j'étais pris dans le coin là-bas, et ils étaient tous sur moi, peut-être qu'ils ont rec, et qu'on va avoir un rec de leur côté pour ça, donc GG à eux, c'est un kill facile, franchement GG à eux, je suis désolé pour le royaume. Il n'y a personne de coup de la fac pour m'aider à ce moment-là, donc j'étais dans le coin là-bas et je pouvais rien faire, ils m'ont fait fly, j'étais bloqué dans un coin. En même temps, quand t'as 7 personnes sur toi, c'est compliqué de faire quelque chose. Du coup les gars, je pense que vu que je tourne ça et que ça va être monté un petit moment après, je pense que c'est parmi les dernières images de cet event d'Halloween là où on a ces petits cadeaux, ces petits slappers et tout. Ah là, ça les gars, ça va être collector hein. Les gars, j'ai envie de faire une petite expérience. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu veux faire Tao? En fait, j'ai une commande de bâtard qui est le slash paf. Non même pas, il n'y a même pas de slash. En gros, j'ai juste paf dans le chat. Et tout le monde s'envole. Donc tout le monde se met loin du coffre. Donc s'ils ont un truc dans la main qu'ils sont en train de transférer, logiquement, ils doivent le drop. Donc si c'est un full fito, il aura forcément un bon truc dans la main. Et je compte sur ça pour justement faire mon truc. Donc, aha. Et là, j'écris paf. Tac. Tout le monde part, et il était dans son OC, et est-ce qu'il avait un truc? Après, il avait peut-être rien dans la main. Ouais, pour ça, un échec. Bon, et rip, on va devoir faire ça. Peut-être dans une vidéo short, ça marchera si on croise les doigts. Non, les gars, merci beaucoup pour la vidéo sur cette maison de faction. Donc, la maison de faction, vraiment, ils ont géré. Petite framboise, ok. Et ben, GG beaucoup à eux. Parce que la vidéo, les gars, elle a fait 1200 vues. Bon, c'est une vidéo short, mais elle a fait 1200 vues, les gars. C'est insane. Donc, merci beaucoup à eux. Parce que, franchement, grâce à eux, j'ai pu faire ça. Et là, on se met bien, les gars. Donc, les gars, au niveau de l'avancement du village, regardez ça. Regardez ça. Il y a tellement d'herbe, les gars. C'est fou. Il y a même derrière moi un petit peu de terraforming qui a commencé à être fait. Donc niveau hauteur, on va pas aller plus haut que ça parce que sinon c'est beaucoup trop haut et ça commence à faire beaucoup de choses à miner. Donc on va voir toute cette partie ici là à miner pour ensuite pouvoir commencer de toute façon à faire un peu de terraforming, à faire des maisons, voilà. Peut-être qu'on fera des petits mineshafts, on verra, on sait pas encore. Proposez-vous en commentaire les gars. Donc les gars, à propos du village, je vous annonce officiellement qu'il y a Snoob qui vient de rejoindre le village, ainsi que Tib qui revient sur Futo, et ils ont rejoint le projet, donc on est quand même pas mal, donc un beau petit monde, ça risque d'être fortement sympathique. Bon les gars, on se retrouve après pas mal d'heures de marche, je vais traverser la map, et regardez ce qu'on a ici les gars, simplement, donc un pillage avec un conteneur. D'ailleurs maintenant, le truc qui me casse vraiment les couilles, c'est qu'ils ont mis de la durabilité sur les zones claim. Ils perdent de dura, et ça vraiment j'aime pas du tout. Donc il y a des piliers en haut, ici et ici, mais la zone elle est juste ici. Donc je vais chercher, on se retrouve juste après. Et les gars, je crois qu'on se rapproche. Oh oh oh.
Oh les gars, regardez-moi ça, il y a un début de farm ici, ok. Je viens de vous dire, c'est déjà ça de prix. Ah, il y a un truc là-bas, regardez les gars, donc voyons voir. Et ok, donc on est sur les vestiges d'une ancienne base, j'ai l'impression. Donc je ne sais pas du tout à qui est cette base, on a une petite bibliothèque ici, bon on la récupère. Hop là, ça pareil, on récupère pour la déco, ça peut faire plaisir. Vu que je suis un rat, je récupère ça aussi, moi je veux rentabiliser au maximum les pillages. Après une dizaine de minutes de recherche, j'ai trouvé le coffre et il était juste ici, donc il était caché derrière des blocs, donc comme ça, tu vois, de façon totalement random, il y avait des pieds, donc les gens qui étaient déjà venus, ils l'avaient pas trouvé, donc voyons voir qu'est-ce qu'on va avoir dans ce petit coffre, les gars, let's go, on va avoir des feuilles tropicales, de la pomme de terre, ok, une petite essence de patate, on va avoir pas mal de fruits, donc c'est essentiellement du farm, des essences de carottes, je prends, donc beaucoup de choses pour faire une petite farm, bah écoutez les gars, c'est sympa, je récupère. Mais les gars, le problème demeure car ça c'était tout simplement bah, sur le coffre qu'on avait trouvé. Et il y avait 5%, je vous rappelle. Donc là on est à 1%, mais je me rappelle que si jamais on s'est déplacé par là-bas, on s'était par là, et on passait à 5%, je crois. Ouais, voilà, là on passe à 4% et 5%. Donc la question c'est où sont les pourcentages? Je pense qu'il va falloir monter. Donc let's go les gars, on va monter. Bah les gars, je suis tout en haut et regardez, bah il n'y a rien d'autre à part mon poteau, tu vois, donc ce qui c'est pas ici. Bon les gars, j'ai trouvé un autre piège et regardez à combien de pourcents on est actuellement à 3%. Et si je dis pas de conneries, si on se déplace dans je sais pas quel côté, on passe à 7%. Ouais, donc voilà les gars, donc si on va par là, on passe à 7%, regardez, on est à 7% actuellement, c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a clairement une base par là, donc la question ça va être où. Bah, je vais continuer de chercher et j'espère qu'on va trouver ça les gars. Bon les gars, me revoilà évidemment une bonne heure après, hein, voilà, il est actuellement très tard et j'ai cours demain. Et j'ai trouvé d'où viennent les pourcentages, donc regardez, hop, donc il fallait juste aller par là. Bon, évidemment j'ai creusé tout ça, donc là je suis tombé, je me suis dit mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, regardez, si jamais on monte ici, puis qu'on monte ici, on a ces panneaux, donc lis les panneaux. Bonjour jeune aventurier, tu es arrivé sur les lieux de la première épreuve, respecte et ne fais pas n'imp et ne triche pas. Donc là ça nous fait 4 conteneurs, est-ce que si on casse ça, ça réduit? Ça réduit. Ça réduit. Ça réduit. Ça réduit. Et il nous reste 3%, et à votre avis, où ils sont? Ben voilà, ils sont juste en bas de ce jump. Tac, on fait le jump. Bien joué, un livre sera déposé dans ce coffre dans les jours à venir. On pète ça et on pète ça, il ne reste plus que ce coffre qui évidemment est vide. Et voilà, et on peut voir que les 7% ont disparu. Il n'y a plus 2% et j'ai actuellement le seum. Donc voilà les gars, ça va être tout pour cette petite vidéo. Évidemment, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des pillages qui n'existent pas. Ça m'aura coûté beaucoup de durabilité aussi. Les pillages, c'est ultra chaud maintenant. Donc je vais essayer d'en faire un peu plus souvent parce que je kiffe ça, mais j'ai pas trop le temps. Enfin bref les gars, j'ai passé beaucoup de temps pour cette vidéo. Donc s'il vous plaît, lâchez un petit abonnement, un petit like. N'hésitez pas à partager à vos amis. C'était Tao et à la prochaine bande de BG.